عشان دقيقة ما زال محطوط السير. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. والله ما فكرت من ريحة رجالة. اتقلت اتقلت. اهو رصاصة في. شوف الدجال قانون الدجال شوف. لا حول ولا. شوف شوف ولا اتقلت الدجال. لا حول. شوف شوف خلاص. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale qui nous est parvenu tout à l'heure, suite aux informations incitatives colportées via les réseaux sociaux aujourd'hui, donc ce 15 juin, accusant des éléments de l'armée nationale populaire d'avoir ouvert le feu sur des individus dans la localité frontalière malienne d'Ikhlaben, limitrophe de la commune de Tinzawatine en 6e région militaire. Le ministère de la Défense nationale dément formellement ces allégations infondées et affirme que ces événements se rapportent à une tentative menée par des personnes connues par leur activité suspecte dans la contrebande et dans la contrebande et le crime organisé visant à détériorer le mur de sécurisation en appelant les habitants à la violence et à organiser et à la violence et à la manifestation dans une manœuvre visant à libérer l'étreinte sur leur intérêt dans la région. Le communiqué du ministère de la Défense souligne également qu'au moment où les éléments des gardes frontières ont intervenu pour apaiser justement la situation, des coups de feu inconnus ont été ouverts depuis Ikhlaben en direction de nos positions, les positions de nos gardes frontières, ayant touché un individu parmi la foule qui a été, cet individu qui a été immédiatement évacué par les gardes frontières pour être pris en charge par les services de santé, mais qui a finalement malheureusement succombé à ses blessures. Suite à ces événements, le haut commandement de l'armée nationale populaire a ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de cet incident et appelle à la vigilance quant à ce genre de rumeurs et de désinformations usées par des parties hostiles visant à perturber la situation dans cette région, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale.